Eh bien bonjour à tous, c'est Lilian67, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur World of Warships Légende avec le navire de rang 4, le Furutaka, un navire japonais. C'était un navire de la première guerre mondiale, un croiseur lourd. Il s'est fait couler dans les Philippines pendant la seconde guerre mondiale. Donc là on est dans une partie capture de base. On va aller sur le point C. Forces ennemies repérées à l'horizon. On ne les a pas encore vus. Par contre, quelque part là, il y a un croiseur parce qu'il y a un avion de reconnaissance. Voilà, là il est. Dans la montagne. Ah bah ils l'ont eu. GG. Bon travail. Bon travail. Voilà, on capture la zone. Par contre, ils ont un cuirassé en plus. On va essayer de les contourner. On va chercher le portage en ennemi. C'est quelque part au fond là. Ouais, il est là-bas le portage. Ouais, là-bas il est. Quelque part là. Parce que là, il y a les chasseurs qui ont décollé. Je
coup, vu que je vais me rapprocher, on va le voir bientôt. Normalement, par là. De se rapprocher de lui pour lui balancer les torpilles. Je vais faire décoller mon chasseur, comme ça il va me protéger des escadrons de bombardiers. Chasseur en vol. Alors on l'a touché, on lui a mis un incendie. Ouais, il va me foncer dessus. Ah ouais, mais c'est un paniqueur, ce mec. Ouais, heureusement que je vais pas en faire le torpille, sinon il me repense dessus. Ah ouais. Du coup, maintenant, on va aller capturer la zone B. Comme ça, on gagnera plus de points. Je vais aussi vous faire une vidéo sur World of Warships Legends où je présente les porte-avions. Parce que les porte-avions, c'était la nouvelle mise à jour de hier. Donc le croiseur japonais de rang 4, le Furitaka, c'est le croiseur, c'est l'un des croiseurs de rang 4 qui a le plus de points de vie. Avec quand on l'améliore avec la coque B, il a 30700 points de structure. Et il a des canons assez puissants. Mais par contre, il prend beaucoup de temps à recharger par rapport aux Américains. Mais les Américains, ils font moins de dégâts avec leurs canons. Et les Japonais, ils ont une amélioration des tirs HE. Donc en gros, c'est les obus explosifs. Parce qu'il y a les obus pénétrants ou explosifs. Et les obus explosifs, ils peuvent faire des incendies ou endommager des canons. Et les obus pénétrants, eux, ils font plus de dégâts. Mais les explosifs, ils sont assez bien sur les Japonais. Par contre, en fait, ils sont en train de détruire notre porte-avions, qui est à l'opposé de moi. Ah ouais, notre cuirassé, il a plus de points de vie. Ouais, donc je pense que la game sera perdue à peu près. Parce que je serai seul face à deux cuirassés et un destroyer. Parce que le cuirassé, on va pas se cacher, il va bientôt mourir, lui. Et le porte-avions, il va pas pouvoir faire grand-chose sur ce destroyer. Moi, je vais passer par là, je vais capturer la zone B et après A. Comme ça, on aura toujours des zones. Parce que là, en vrai, on peut gagner avec les points. On a 920 points, eux, ils en ont 880. Faut juste pas qu'ils nous capturent une zone. Ou soit qu'un de notre coéquipier meurt. Ah ouais, mais ça va être chaud pour le Congo. 940. 945. En vrai, on peut y arriver, hein, 950. Il manque 50 points. Si lui il meurt, on aura moins 60. Parce que dès qu'un bateau meurt, on a moins 60. Maintenant, je capture la zone. Pour gagner plus de points au cas où il y en a un qui meurt. En vrai, on peut gagner, il nous manque 10 points. 5 points. 5 points et on gagne.
Et ben on a gagné. Donc voilà, donc on a fait en tout 30 999 de dégâts. On a touché 22 fois, on a touché une fois avec une torpille. On a battu 3 avions, on a détruit un navire, on a mis 3 incendies. On a capturé une base et on a touché une fois avec les canons secondaires. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les amis!